Je vous demande d'applaudir, comme il se doit, Monsieur Pierre Arditi. Merci encore, Pierre, d'être avec nous ce soir, vraiment. Mais ça me fait très plaisir, moi. Je ne m'étais jamais retrouvé confronté. Est arrivé de rencontrer le public, de parler de mon métier, voire de ma vie de temps en temps. Mais pas comme ça, avec un orchestre, un vrai orchestre, c'est vachement bon. D'avoir une sorte comme ça, une espèce de show, je sais pas encore. L'Alzheimer est en route, ça y est, on y est. Ah, chouette, j'ai eu peur qu'il ne vienne pas pointer le bout de son pif. Je meurs et je reviens. C'est formidable de vieillir, ça réserve des surprises toujours formidables. Même à l'antenne. On va parler d'un peu ta famille, un petit peu. Oh oui, ce serait bien. Ça, oui. À un moment donné, il y a pas les clochettes du traîneau là. Ça tombe bien, je l'ai coupé au montage. Merci. Très bien. Très bien. J'ai dit on va la faire courte, on va la faire 20 secondes. Oui, on va faire 20 secondes. Là, c'est les danses allemandes. Tu es très pris, Pierre. C'est impossible. On n'est jamais pris pour ce qu'on aime. Ah bah, je note. Il y a toujours. Il sait tout, lui. Mais dis-moi, alors tu as eu un abonnement personnel à France Dimanche et à tout ça? Pendant une plombe, elle a embrassé un mec qui était comme ça. Je ne sais pas qui vous êtes, moi. J'en sais rien. Et je ne vous connais pas. Vous devez me connaître un peu mieux. Et d'une certaine manière, moi aussi, je vous connais un petit peu mieux. Je suis à un âge où je peux m'offrir le luxe d'être nu. C'est d'ailleurs pour ça que je suis plutôt un meilleur acteur aujourd'hui que je ne l'étais il y a 30 ans. Et quand je suis en face de gens comme vous, j'ai l'impression très rare que finalement, je vis ce que j'avais décidé de vivre. Et ça, je le mets dans la valoche. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris de ton temps pour venir ici à Clermont-Ferrand. J'espère qu'il y aura d'autres soirées. Merci.